Bonjour, bonjour à tous. Nicolas Ruchon ne sera pas avec nous, donc il y aura trois personnes avec moi autour de cette table. Nous allons démarrer donc cette conférence, cette table ronde autour des innovations dans le marketing. On a travaillé avec mes camarades pendant de longues journées. On vous a préparé 450 slides, 4 heures de présentation, parce que les innovations dans le marketing, c'est gros. Là, je vois un sentiment d'inquiétude sur la tête des organisateurs de cette journée. Alors, en fait, on a focalisé, bien évidemment, parce que l'heure du déjeuner approche. Donc, on a focalisé sur les innovations dans la publicité digitale, qui sera notre thème de cette conférence. Alors, les innovations dans la publicité digitale, pour cela, j'accueille trois présentateurs et trois professionnels de talent. Elliot Reya, qui est le fondateur et président de la société TVTY, qui est un des leaders ou le leader français de la publicité multi-écran et du moment marketing. Et Elliot nous expliquera ce qu'est le moment marketing. J'accueille aussi Nicolas Juel, qui est responsable du marketing digital chez Coca-Cola. Coca-Cola qui investit beaucoup dans l'innovation autour de la publicité digitale. Et Bertrand Grèsbecé, qui est le président et fondateur de la société Predixis, qui est un des leaders français dans les solutions d'analyse prédictive et de machine learning, dont on a pas mal parlé ce matin et sur lequel je pense qu'on va continuer à parler. Je propose maintenant de passer la parole tout de suite à Elliot pour sa présentation. Bonjour à tous. Merci Elliot. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Elliot, je suis le CEO et cofondateur de TVTY. TVTY, ça veut dire TV Thank You, parce qu'on a commencé par travailler sur le pont entre la télé et le digital. Et je vais vous expliquer un peu comment. Je vais vous parler de moment marketing. Tout d'abord, le constat, c'est que dans les dernières années, il y a une multiplication des écrans. On le sait tous, il y a eu la télé d'abord, puis l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Je ne parle même pas encore des lunettes ou des montres connectées. Mais on a de plus en plus d'écrans dans nos vies de tous les jours. Et ça change la manière de consommer les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir être chez moi en train de regarder un match de foot le soir, en même temps sur mon ordinateur. Mes enfants sont sur leur tablette, leur smartphone. Ma femme est en train de regarder Le Monde sur son ordi. Donc en fait, on a une multiplication des écrans pour consommer le média et une attention de l'audience qui devient de plus en plus volatile et qui papillonne en permanence d'un écran à l'autre, spécialement pendant la consommation télé, c'est ce qu'on appelle le second écran, notamment durant les coupures pub. J'ai tendance à switcher d'un écran à l'autre. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les marques présentes dans la salle qui font des gros investissements en télé. Aujourd'hui, elles se demandent comment récupérer l'attention de l'utilisateur et comment bénéficier de ce nouvel usage multi-écran. Parce que si c'est un challenge et une menace par certains côtés, c'est aussi une opportunité par d'autres. Ce n'est pas un mouvement qui commence, c'est déjà 3/4 des Français qui utilisent un second écran dans la télévision. Donc c'est déjà un mouvement de fond, c'est déjà énorme. C'est 85% des Américains. Donc vous voyez, on est vraiment juste derrière et c'est quelque chose de déjà massif. Alors nous, chez TVTY, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse en temps réel des informations. Donc qui viennent de la publicité télé, on sait détecter les pubs télé en temps réel, je vais vous expliquer comment, des programmes télé qui passent et des événements sportifs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mouline toutes ces informations dans notre plateforme avec pour objectif de déclencher des campagnes digitales au bon moment. En fait, nous, ce qu'on est, c'est l'interrupteur du marché de la pub digitale. C'est-à-dire qu'en fonction des événements qui se passent, on va pouvoir déclencher des campagnes sur tous les écrans et sur tous les formats, que ce soit des bannières display, de la vidéo, du social et du search. Et pour ça, on s'est connecté à l'ensemble de l'écosystème digital, aux régies, aux ad serveurs, aux DSP, aux trading desks, et on travaille en fait avec tout cet écosystème, avec les agences, pour pouvoir lier les moments en temps réel, le moment marketing et la pub digitale. Deux mots sur la société. On est une start-up française d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, répartie entre Paris, Londres et New York. Bon, la répartition, c'est 18 personnes à Paris, une personne à Londres, une personne à New York. On vient d'ouvrir les bureaux. On est financé par Partech International, qui est un fonds franco-américain qui nous suit depuis 2011, et 360 Capital Partners, franco-italien, qui est un fonds qui est rentré cette année au capital pour nous accompagner dans le développement à l'international. Et ce développement s'accélère puisqu'on couvre aujourd'hui 14 pays en Europe, plus les États-Unis. Deux mots sur la télé, sur comment ça marche. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est une technologie qui analyse en temps réel les différentes chaînes, une quarantaine de chaînes en France, 250 chaînes en tout dans le monde. Et en fait, ces chaînes, on détecte,
les publicités en temps réel qui sont en train de passer. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on analyse les images qui passent dans le flux de la chaîne de télé. Donc les 25 images par seconde sont décortiquées et comparées avec toutes les images qu'on a en base de données. Et on a créé une base de l'ensemble des pubs qui passent, et tous les jours, on alimente cette base avec les nouvelles pubs qu'on détecte. Donc, ce qui fait que dès qu'on voit une nouvelle pub pour Coca-Cola Zéro, par exemple, sortir, on va recevoir une alerte qui nous dit « nouvelle pub détectée ». On a des opérateurs qui regardent la pub et qui disent bah, « ça, c'est une pub Coca-Cola Zéro ». Et dès qu'elle repasse, les images sont reconnues parce qu'elles sont déjà en base, et là, on peut détecter la pub. Et ça, ce que ça va permettre, c'est de déclencher des campagnes sur le second écran au moment précis où la publicité passe en télé. Donc j'ai la pub de ma marque qui passe en télé, et en même temps, je vais blaster en fait, sur le web. Je vais pouvoir déclencher des campagnes massives, par exemple de bannières display, qui vont me permettre en fait, de toucher les gens au second écran, et donc de rendre ma pub télécliquable. Avec de la vidéo également, on va pouvoir augmenter le reach de la pub télé de manière instantanée. Et ce reach instantané, finalement, va être comme si on considérait le web comme une chaîne de télévision à cet instant donné. On peut le faire sur sa marque, mais aussi sur ses concurrents. C'est-à-dire que vu qu'on reconnaît toutes les pubs qui passent à la télé, on est capable de dire, bah, quand mon concurrent passe en télé, finalement, ou un produit qui est dans ma catégorie, je vais, moi, communiquer à ce moment-là sur les autres écrans disponibles. Et en fait, c'est une forme de contre-attaque instantanée de la puissance télé que mon compétiteur peut avoir à ce moment donné. Les programmes télé. Selon les programmes télé, il y a des audiences qui regardent ces programmes qui peuvent correspondre à vos cibles. Et en fait, là, je peux dire, bah, en fonction de tel ou tel programme, je vais voir me synchroniser et diffuser en même temps sur le web pour toucher les gens en second écran qui sont dans ma cible. La dernière chose qu'on a lancée, et je vais en parler sur un cas très concret qu'on a fait avec Coca-Cola, c'est le sport. Et c'est le fait de pouvoir déclencher des campagnes digitales au moment où il se passe quelque chose dans un événement sportif. Donc par exemple sur le football, c'est dès qu'il y a un but dans un match de foot, on va pouvoir déclencher une campagne qui dit « bravo les bleus » par exemple. On peut le faire quand il y a un but d'une équipe, mais on peut aussi le faire quand il y a un but d'un joueur en particulier. C'est-à-dire que si j'ai pour ma marque une égérie, je vais pouvoir dire bah, « tiens, si ce joueur-là marque, je vais pouvoir déclencher une campagne ». Ou alors si tel autre joueur de l'autre équipe prend un carton rouge, je vais pouvoir déclencher une campagne. Donc on peut imaginer plein de scénarios en fonction des événements sportifs. Donc on le fait sur le foot, on le fait aussi sur le tennis, on est en train de lancer d'autres sports comme le rugby. Et donc je vais vous parler d'un cas très concret avec Coca-Cola. Donc c'est une campagne qui a été pilotée par l'agence Starcom et qui a été faite avec nos partenaires, alors Régie Vidéo, Advideum, qui est un partenaire historique depuis le début. Avec nous, on a fait des dizaines de campagnes ensemble. Et Trading Desk AOD, qui est le trading desk du groupe donc Publicis. Et l'idée, ça a été de synchroniser une campagne vidéo massive sur le web au moment où il y avait un but de l'équipe de France ou une victoire de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2014. Donc ça a permis bah, de toucher les gens pile au moment où ils venaient soit de voir le but, soit de les informer, il vient d'y avoir un but finalement, et on célèbre ce but avec vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect purement branding, on voit un engagement tout de suite beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on fait plus 83% de clics et d'engagement des utilisateurs sur cette campagne par rapport à une campagne qui est en fil rouge sur laquelle il n'y a pas de synchronisation. Donc c'est intéressant de voir que le sport finalement est aussi un moyen d'aller chercher de la performance au-delà du reach et du contenu malin que je vais proposer à mes utilisateurs. Alors, deux témoignages rapidement donc de Starcom. Donc de Mathieu Lacombe qui parle la plus de l'aspect livraison de la campagne et achat média donc, qui fonctionne avec la synchronisation. Et de Coca-Cola de Philippe Balladur, il y a un truc important dans ce que dit Philippe, c'est qu'il dit la stratégie de marketing permet de toucher la bonne personne au bon moment. Et nous c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre, c'est le bon moment. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui vous permettent de toucher la bonne personne parce qu'il y a des données de ciblage qui vont vous dire « tiens, bah, telle personne veut acheter une voiture en ce moment ». Il y avait Criteo juste avant sur scène, je pense que c'est les pros et les pionniers dans ce domaine. Mais on peut donc retargeter, on peut toucher la bonne personne. Mais nous, ce qu'on amène, c'est le bon moment. C'est de dire « c'est super de toucher la bonne personne, mais si tu le fais au bon moment, tu vas encore plus finalement avoir un impact fort sur ta cible ». Pour conclure, je voulais partager un chiffre avec vous, c'est qu'aux États-Unis, on a déjà 10 à 30% des budgets télé qui sont alloués à la vidéo online. Donc en fait, on voit un basculement massif des médias classiques vers le digital. Et nous, notre rôle et notre mission, c'est d'accompagner ce basculement-là. Ouais, j'ai fini. Vous avez mon email, elliot@tvty.tv et notre site tvty.tv si vous voulez nous contacter. Merci beaucoup.
Merci Elliot. Alors Nicolas, on a compris que Coca-Cola était un utilisateur de la publicité multi-écran. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Coca-Cola a décidé d'investir dans la publicité multi-écran ? Bonjour. Oui, je peux dire pourquoi. La publicité multi-écran, Elliot en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, et on le voit aujourd'hui, il suffit de regarder la salle aujourd'hui. 9 personnes sur 10 a un téléphone à la main ou un PC sur les genoux et fait autre chose pendant qu'ils nous écoutent. Donc nous sommes aujourd'hui sur scène un second écran ou un premier écran, j'espère pour certains. Mais en tout cas, clairement, on le sait et on a énormément d'études qui le confirment. La télé n'est pas, ou en tout cas n'est plus, un écran unique dans un foyer. Et si on veut augmenter la couverture sur certaines cibles, et notamment sur les cibles les plus jeunes, il est indispensable aujourd'hui d'aller toucher d'autres écrans que la télévision. Ça ne veut pas dire qu'on sort de la télévision ou qu'on arrête d'en faire, ça veut juste dire qu'on est obligé de la compléter par d'autres canaux et par d'autres écrans. C'est quelque chose qu'on a testé depuis 3-4 ans maintenant et qu'on systématise sur nos campagnes. Elliot parlait des États-Unis où ils sont à 10 à 30% des budgets télé sur de la VOL. C'est également le cas pour nous en France, où on est dans cette fourchette-là sur l'ensemble de nos marques. On n'a plus aujourd'hui un seul plan télé qui ne combine pas de la vidéo online parce qu'on l'a testé et qu'on a vu que ça fonctionnait. Parce qu'on l'a testé et qu'on a vu qu'on pouvait le systématiser de cette manière-là. Donc là, on comprend que chaque fois que vous lancez une campagne TV, à chaque fois, vous avez une campagne vidéo online digitale. À chaque fois, oui. D'accord. Et alors, si on parle de vidéo online et si on parle de campagne digitale, de publicité digitale, est-ce que ça veut dire que vous développez des contenus spécifiques et que vous faites développer des contenus spécifiques sur ces campagnes ? Le contenu, c'est depuis toujours la clé, et celle l'est encore plus aujourd'hui. Si on a, dernier chiffre que j'avais en tête, et probablement plus bon, 6 écrans par foyer, ce sont 6 écrans, ou peut-être aujourd'hui 10, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas regardés par les mêmes personnes, qui ne sont pas regardés dans les mêmes conditions, et qui ne sont pas regardés pour faire les mêmes choses. Donc si on essaye de diffuser le même contenu partout, il y a quand même un risque non négligeable que le contenu ne s'adapte pas au moment de consommation, à l'outil, à la personne, etc. Donc oui, le contenu devient clé, encore plus qu'il ne l'était hier. Et si on prend le cas de la Coupe du Monde qu'Eliott vous a présenté tout à l'heure, ce qu'on a fait sur le contenu, c'est clairement d'analyser différents scénarios. L'équipe de France marque un but, l'équipe de France perd, l'équipe de France gagne, l'équipe de France passe dans des phases finales où une équipe adverse joue un match, etc. Donc il y a différents types de scénarios possibles. Et pour chaque scénario, on va développer le contenu adapté. Si l'équipe de France gagne un match, on a un contenu qui vient célébrer cette victoire. Si l'équipe de France marque un but, on a un contenu qui vient célébrer ce but. On a également adapté le contenu en fonction des personnes qu'on allait adresser. La vidéo online a cette capacité et cette force de pouvoir aller toucher des cibles très précises. On peut aller toucher des cibles qui ne semblent a priori pas forcément intéressées par le foot ou par la Coupe du Monde. Pour toucher les personnes qui sont intéressées par le foot et par la Coupe du Monde, il nous suffisait de passer la copie dans l'écran publicitaire sur la chaîne diffuseur. Si on veut aller toucher des personnes qui sont moins intéressées, on va le faire avec la vidéo online. Mais une personne qui n'est pas forcément très intéressée par la Coupe du Monde, si l'équipe de France gagne un match, a priori, elle peut quand même être intéressée par cette information-là ou par ce message-là. Donc oui, on va développer des contenus dédiés et personnalisés. Alors on est entre nous, Coca-Cola investit massivement donc dans la publicité et dans le développement de sa marque, mais est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les innovations à venir et les choses dans lesquelles vous investissez aujourd'hui, qui sont encore de l'ordre du confidentiel, mais qui vont changer la donne dans la publicité pour Coca-Cola ? Alors non, je ne donnerai pas d'informations confidentielles, mais oui, je peux donner des éléments, des premiers éléments, des éléments qu'on a déjà communiqués notamment. Déjà, la première chose, c'est que l'innovation, c'est au cœur de ce qu'on fait, au quotidien chez Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une marque et un produit qui existe depuis 130 ans et qui n'a jamais changé depuis. Donc ce qui change, c'est la manière dont on communique autour, la manière dont on le met en scène et la manière dont on communique. Les innovations chez Coca-Cola, c'est encore une fois au cœur de nos réflexions. On alloue minimum 30% de nos investissements sur de l'innovation.
qu'on va répartir à peu près à 20% sur des innovations d'aujourd'hui, des innovations qui commencent à devenir dans l'usage. On parlait tout à l'heure des objets connectés. Pour nous, ce n'est pas de l'innovation de demain, c'est de l'innovation d'aujourd'hui. Quand Coca-Cola, au niveau mondial, investit dans des startups comme Misfit, par exemple, qui produit des objets connectés, ce n'est pas des investissements anodins, c'est des investissements assez lourds parce que c'est des technologies d'aujourd'hui et pas des technologies de demain. Et on va investir à peu près 10% de nos investissements dans des technologies ou dans des innovations vraiment de demain, des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas forcément ou ne sont pas prêts ou ne sont très marginaux, mais sur lesquels on veut faire des paris. Donc c'est à peu près 10% de nos investissements. C'est cette stratégie d'investissement qui nous a permis de systématiser, par exemple, la vidéo online dans nos campagnes télé. On a d'abord investi 10%, puis 20%, puis aujourd'hui beaucoup plus, et aujourd'hui on le systématise. Les innovations qu'on a en ce moment et sur lesquelles on travaille depuis quelque temps sont multiples. J'ai parlé des objets connectés. On a également, on s'est doté depuis le début de l'année d'une DMP qui est importante pour nous sur le sujet de la data, qui vient se coupler notamment à des partenaires comme TVTY sur du moment marketing. La data, on le sait, est clé et plus on sait la maîtriser, mieux c'est. C'est important d'en posséder, mais le plus important, ce n'est pas tellement de la posséder, c'est surtout de savoir s'en servir, de savoir l'utiliser, et ça sera d'autant plus vrai demain quand l'ensemble des médias, ou en tout cas la majorité des médias, seront servis comme l'est le digital aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut observer, entre guillemets, quasiment que le digital, ou presque, clairement, dans un avenir très très proche. La télé sera pareil, le digital, enfin, l'affichage digital sera servi de la même manière, etc. Donc tout ce qu'on apprend aujourd'hui, sur lequel on va investir à peu près 10% de nos investissements, va nous servir demain à conserver soit une avance ou en tout cas un leadership sur le marché. Alors, tu nous parlais d'objets connectés. Bon, alors, c'est pas de chance, c'est une bouteille de Badois, mais considérant qu'on a cette bouteille de Coca, on a les objets connectés. Est-ce que tu peux nous faire le lien? Je ne suis pas sûr que tout le monde voit le rapport entre l'objet connecté et la bouteille de Coca. Il n'est pas forcément évident et il peut y en avoir des centaines différents. Ce qu'on a fait là cette année, c'est donc de prendre des participations dans une start-up qui s'appelle Misfit, qui produit des objets connectés assez classiques, entre guillemets, hein, même si celui-là est particulièrement performant, qui sont des petits bracelets qui viennent mesurer l'activité physique et donner des informations sur le nombre de calories dépensées, etc. etc. Il n'y a pas de lien direct avec la bouteille de Coca-Cola ou avec la canette de Coca-Cola. Par contre, il y a un lien direct avec notre stratégie de communication et avec l'ADN de Coca-Cola. On a la vocation et on est partenaire de la FIFA ou des Jeux Olympiques depuis leur création. Pour cette raison-là, c'est qu'on veut inciter à l'activité physique. On est souvent attaqué dans ces entreprises, ou notamment Coca-Cola, de favoriser l'obésité notamment. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de ne pas se voiler la face et de fermer les yeux, mais plutôt que de prendre le sujet à bras-le-corps et de se dire, l'obésité n'est pas le fait d'un seul facteur, elle est le fait de beaucoup de facteurs, et notamment de l'activité physique qui est en déclin. Nous, on va essayer de contribuer à ce que l'activité physique se redéveloppe, et les objets connectés sont un moyen de le faire, et c'est pour ça qu'on a pris des pas dans Misfit. Donc le lien, il n'est pas immédiat, le bracelet n'est pas connecté à la canette et ne va pas dire si elle est à la bonne température ou autre, mais il a un lien avec ce que Coca-Cola est depuis toujours et ce que Coca-Cola souhaite continuer à être. Alors l'avenir de la publicité chez Coca-Cola, tu peux nous en parler? Pardon ? L'avenir de la publicité. L'avenir de la publicité, c'est une vaste question. J'en parlais à demi-mot tout à l'heure, mais la manière dont la publicité va être servie à l'avenir va probablement révolutionner beaucoup de choses. Quand demain, à la coupure de la finale de l'Euro 2016, une personne devant sa télé verra une publicité différente de son voisin, ça sera probablement une révolution, et ça arrivera peut-être pas à l'Euro 2016, mais sans doute pas longtemps après. La publicité va être aussi drivée par les usages et par les consommateurs eux-mêmes. Il y a de moins en moins, les consommateurs et nos audiences sont de moins en moins prêtes à être obligées de regarder un contenu publicitaire.
On vit dans un monde du choix, on vit dans un monde de l'on-demand. Sur Internet, et notamment toute la génération qui est née par l'Internet n'a pas cette, je ne vais pas dire culture, parce que ce n'est pas le bon mot, mais n'a pas été habitué à être obligé de consommer quelque chose. Donc ce choix change énormément de choses dans la manière dont on construit, dont on fabrique les contenus, je ne vais pas dire le contenu, mais les contenus. Et ça, c'est un vrai changement et un vrai changement d'avenir. Alors Elliot, TVTY, au cœur de l'innovation dans la publicité digitale, qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé dans la publicité ces dernières années ? Il y a eu beaucoup de changements dans la publicité ces dernières années, si on devait essayer de les grouper. La multiplication des écrans, j'en ai parlé, c'est un enjeu pour le second écran, mais ça finalement c'est un des enjeux. Il y a aussi l'enjeu de pouvoir traquer un utilisateur d'un écran à l'autre et lui pousser des messages et des créas qui sont adaptés à l'écran. Et donc ça, je pense que c'est un des enjeux massifs. Le deuxième enjeu, c'est le real-time de manière générale, c'est-à-dire le fait que tout devient de plus en plus temps réel, ciblé, et ça se fait dans l'achat, on le voit avec le programmatique, qui de plus en plus s'achète de manière temps réel, et ça, ça change un peu la donne chez les agences médias, chez les annonceurs, et dans la manière de faire la publicité. Le troisième élément qui en découle, c'est la data. Qui est nécessaire. C'est intéressant parce que toi, Nicolas, tu parles du DMP que vous montez en interne, donc c'est-à-dire la data des annonceurs qui peuvent avoir sur leur clients, mais aussi la data qui est disponible sur le marché. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément aujourd'hui de sociétés qui permettent de toucher la bonne personne. Donc cette data, et finalement, nous, c'est un peu la dynamique dans laquelle on s'inscrit, en fournissant une data de timing, c'est, je pense, aussi un des éléments qui a beaucoup changé ces dernières années. Alors, tu nous as donné quelques pistes, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, fondateur et président de TVTY, quelles sont les grandes innovations sur lesquelles vous travaillez et qui vont voir le jour dans les mois et les années à venir ? Bon, nous aussi, il y a des choses confidentielles dont je ne vais pas parler, mais oui, je peux en parler. Il y a déjà quelque chose qu'on a lancé dont je n'ai pas parlé, c'est la météo. C'est le fait de pouvoir déclencher une campagne en fonction de la météo, parce que ça s'inscrit bien dans des éléments temps réels qui ont un impact sur le contexte d'achat. Donc par exemple, dès qu'il fait plus de 30 degrés à Paris, je peux décider de lancer une campagne pour Coca-Cola en disant « il fait plus de 30 degrés, rafraîchissez-vous ». Ou pour une marque de glace, ou s'il pleut pour des parapluies. Enfin voilà, donc la météo pour nous c'est un enjeu qui est clé. Et on peut lier ce critère météo avec les autres critères, donc on peut lier les règles entre elles. Ensuite, nous ce qu'on veut c'est, à l'image de la météo, avoir de plus en plus de data temps réel qui permettent de déclencher des campagnes. Donc typiquement, par exemple, on travaille aujourd'hui sur la finance et sur les flux financiers, donc sur les variations cours de bourse, par exemple, pour les établissements bancaires, pour dire, le CAC 40 vient de prendre plus de 5%, je balance une campagne qui donne cette info et qui dit, ouvrez votre compte Action chez moi. Ou plus sympa, là, quelque chose qu'on va faire très bientôt avec France Télévisions, c'est avec le Téléthon. Dès que le Téléthon va franchir certains niveaux de dons, on va pouvoir déclencher une campagne qui dit le Téléthon vient de récolter tant, cliquez ici pour donner à votre tour. Et donc l'objectif c'est d'avoir plus de transformations sur ce type de campagne temps réel que sur des campagnes non temps réel et sans cet élément. Le deuxième gros sujet pour nous aujourd'hui c'est AdWords, c'est le search. Parce que le search c'est 60% à 2/3 des investissements publicitaires et en fait l'impact de la télé sur le search est énorme en temps réel, est très peu exploité, on pense aujourd'hui. Donc nous, on a travaillé sur des technos qui permettent de booster des mots-clés ou de lancer des campagnes en fonction des publicités télé qui passent. Donc si ma pub passe, ou la pub d'un concurrent, ou la pub d'un produit que je vends passe, pendant peut-être 5 minutes, je vais pouvoir être au top des résultats de recherche pour capter ce trafic-là, qui est un trafic de gens qui veulent acheter. Donc encore une fois, du temps réel dans la logique de convertir mieux mes utilisateurs. Donc ça, c'est un peu les gros sujets qui arrivent. Et sur le sport, peut-être pour conclure, toujours avec France Télévisions, on va lancer un pilote là, où en fait, on va pouvoir donc déclencher des campagnes dès qu'il y a un but ou un essai dans un match de rugby, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer une campagne de display massif, donc de bannière sur le web, qui dira « l'équipe de France vient de marquer un essai contre l'Australie, cliquez ici pour le revoir ». Et de manière instantanée en fait. Donc là ça veut dire qu'on va lier un contenu très engageant et très instantané, très real-time
à des campagnes sportives. Et là, on pense bien sûr que ça, on peut le faire brander par des annonceurs, on peut revenir sur la plateforme derrière pour voir le but, ou l'essai en l'occurrence, etc. Voilà un peu les innovations sur lesquelles on travaille. Alors, on parle d'innovation avec de plus en plus de temps réel, de plus en plus de data, de plus en plus de personnalisation. Ce qu'on veut, c'est déclencher de l'acte chez le consommateur. Est-ce que tu vois de plus en plus, est-ce que tu vois de l'avenir à l'analyse prédictive ? Alors, l'analyse prédictive dans la pub, oui, complètement. Et là, je vais faire le lien avec ce que je disais sur le search. On travaille aujourd'hui, alors pas encore en France, mais je serais ravi de voir ce qu'on peut faire avec Predixis demain. Mais en Angleterre, on travaille avec une société qui justement, à l'aide de nos informations de timing, donc de pub télé qui passe, de météo, etc., prévoit les niveaux d'investissement que je dois faire en search demain ou dans la semaine qui vient pour obtenir tel retour sur investissement. Et ça, en se basant sur l'historique. Et donc, c'est un sujet qui est clé pour nous aujourd'hui et sur lequel on bosse énormément, notamment sur le search. Alors, attaquons le machine learning. Je vais vous tourner le dos. Je suis désolé, c'est pas que je vais être impoli, c'est que je veux me retourner vers Bertrand. Le machine learning, quelques-uns d'entre vous l'ont peut-être vu, mais c'est lié évidemment à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, des gens comme Elon Musk ou des gens comme Stephen Hawking ont fait des déclarations assez fracassantes. Hein. Stephen Hawking disait il y a 6 mois de ça, l'intelligence artificielle est probablement la plus belle chose qu'ait inventé l'homme et peut-être la dernière. Elon Musk s'est mis à investir massivement sur ce sujet, non pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'il a un peu peur du résultat et il veut savoir comment ça fonctionne. Donc, Bertrand, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le machine learning et tout ça avec des mots simples ? Oui, alors, bonjour, merci. Avec des mots simples, le machine learning, en fait, d'abord, c'est le résultat de quelque chose qui est très, très profond. Moi, j'essaie de garder, tu parlais d'Elon Musk. En fait, on peut dire aussi Alan Turing dans les années 50 qui parle... Qui met les fondements de l'intelligence artificielle. Il faut attendre 97 pour avoir la première fois une machine qui sait battre l'homme sur une problématique particulière qui était les jeux d'échecs. Et ce qu'on voit en 2012, qu'est-ce qui se passe ? L'État du Nevada donne l'autorisation à la Google Car de voyager sur route ouverte. Et depuis, la Google Car a fait plus d'un million de kilomètres. C'est quoi la différence ? C'est que ce dernier point, c'est le moment où finalement la machine est capable d'interagir sur des problématiques complexes avec l'homme et d'analyser, d'anticiper et donc d'agir de façon automatique. Et sans doute, c'est une des définitions qu'on peut donner du machine learning, c'est de se dire que à partir de données, ce sont des techniques qui en général sont capables de détecter des comportements et donc d'influencer sur les comportements futurs. En gros, ça peut être une définition qui est relativement théorique. La question après, c'est quel est le rapport avec le marketing ? Alors, il faut que j'appuie sur le bouton pour dire, mais finalement, le rapport avec le marketing, on n'est pas forcément uniquement dans le marketing de type campagne, mais on a un cas classique de deux personnes qui veulent acheter des chaussures. Et la question qu'on se pose quand on est commerçant, quel est le type de ce client, quel produit veut-il, qu'est-ce que je vais lui proposer, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il n'est pas stressé, comment je vais l'aborder, dans son état d'esprit, je rate qui c'est, voilà. Est-ce qu'il est risqué, est-ce que je suis capable de lui dire non mais il n'y a pas de problème, vous me paierez demain ou pas, et puis après comment le fidéliser et être sûr qu'il soit référent. Ça, on fait ça finalement depuis très longtemps. Oui, sauf qu'aujourd'hui, globalement, ces mêmes clients, vous ne les voyez plus, surtout quand on veut avoir un reach mondial. Alors, l'élément du machine learning, c'est de se dire quelle est l'information que vous avez sur les clients, c'est des données qui vont laisser des traces. Alors là où l'élément est fondamentalement disruptif, c'est que les gens qui ne sont pas autour de cette table, qui sont les gens qui ont fabriqué l'Internet d'aujourd'hui, les Google, les Facebook, les Amazon, se sont construits exactement sur du machine learning. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes dans lesquels ils voient, ils analysent, ils anticipent, ils influencent. Et chaque fois qu'il y a des sociétés de machine learning qui arrivent, ils les absorbent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est important, et sans doute en termes d'innovation électronique, il est important de prendre en compte qu'il faut prendre en compte le comportement des clients et trouver une façon d'utiliser ces données qui les traduisent, vos données, pour les traduire en action et arriver à contre-réagir.
et à influencer vos clients. Alors, pratiquement, nous, Predixis, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Eh bien, en fait, on offre des services de prédiction dans deux axes. C'est un, la personnalisation de campagnes multicanales ou omnicanales, sachant que ce n'est pas, l'idée n'est pas de cibler le client, l'idée est d'observer le client pendant l'interaction, pendant la campagne, et d'adapter le comportement de la campagne à la réaction du client. Et l'autre élément, c'est de travailler sur l'augmentation de ce qui est globalement appelé le Customer Lifetime Value, c'est-à-dire au-delà de l'acte d'engagement, quel est le type de client, quel est le type de produit que j'ai poussé, est-ce que je vais maximiser le chiffre d'affaires que je peux faire avec ? Donc, pour faire ça, ce qu'on peut espérer, ce qu'on constate depuis qu'on travaille, et ce qui est un petit peu constaté dans l'industrie du machine learning, c'est que sur des campagnes multicanales, dès qu'on installe des systèmes d'observation et d'action, il est normal de dire on va partir sur des optimisations de 25% de chiffre d'affaires. La réduction de la fatigue client, donc comment faire pour éviter la mise au panier, la mise à la corbeille ou le désabonnement, et dans la notion de fidélisation qui est comment observer un client que vous ne pouvez plus voir directement comme dans l'économie traditionnelle et surtout à cause des volumes, comment garantir que vous êtes capable de le retenir, voire de lui faire de l'upsell. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on applique ces techniques, on augmente minimum de 30% la performance des campagnes de rétention. Donc là, on est très, très, très tiré par des gains financiers, sachant que la particularité du machine learning, c'est qu'il faut bien définir pourquoi vous voulez les utiliser, et souvent, c'est pour améliorer votre profitabilité. Voilà. Alors, en gros, nous, Predixis, on est une très, très jeune société, puisqu'en fait, on a passé nos 1 an il y a peu. On est soutenu par Innovacom, on est une vingtaine d'employés, de collaborateurs dans l'équipe aussi. Particularité qui fait un lien avec la présentation précédente, c'est que nous sommes en partenariat d'Open Innovation avec le groupe Orange, c'est-à-dire que nos algorithmes d'intelligence artificielle sont le résultat de 10 ans de R&D venant d'Orange et que nous valorisons intégralement et exclusivement. Et que nous sommes à ce stade très technique, nous avons été lauréats au concours du ministère de la Recherche cette année. En revanche, nous avons actuellement un certain nombre de clients qui sont déjà engagés avec nous et objectivement sur l'amélioration de la profitabilité de leur acte commercial. Eh bien, merci, ça va être le mot de la fin. Donc, ça peut intéresser La Poste, typiquement. Vous êtes en contact avec La Poste. Ben, merci pour tout le monde. Merci à tous.